Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale théorie où on va voir trois nouvelles attaques exclusives de Pokémon légendaires dans Pokémon Go. Et attention, une vidéo spéciale Pokémon de la quatrième génération dont pas mal de légendaires ont justement reçu des attaques signature récemment. Je pense au Giratina qui a eu Revenant, je pense aussi à Heatran qui a eu Vortex Magma, etc. etc. Aujourd'hui, on va donc voir trois nouvelles attaques signature de légendaires et voir ce qu'elles pourraient éventuellement donner dans Pokémon Go, sachant qu'on est sur de la full théorie. Je vais essayer de me baser sur des attaques qui existent déjà dans le jeu en essayant de rester cohérent avec la puissance de base de l'attaque dans les jeux consoles, mais on n'est clairement pas à l'abri que Niantic qui débarque et qui dise oui bon bah pif pouf on en fait un Dracogriffe mais qui baisse l'attaque. Mais en vrai, si je prends la magnifique image de Slazipoc qui montre toutes les attaques similaires dans Pokémon Go, sur console ces attaques sont aussi quasiment similaires à part Coupe-Croix et Hydro-Queue qui sont quand même assez différentes, mais ça reste globalement des attaques aux alentours de 70 dégâts, ce qui montre quand même que Niantic, ils essayent de rester cohérents par rapport au support de base. Bref, voyons trois nouvelles attaques signature de légendaire dans Pokémon Go, ce qu'elles pourraient donner et bien entendu, est-ce qu'elles pourraient rendre plus forts certains Pokémon ou non. Et on va commencer bien entendu avec le duo de légendaires de la quatrième génération, parce que si Giratina, lui, il a eu son attaque signature Revenant, et Dialga et Palkia, pour l'instant, ils ont rien eu. Alors Dialga, son attaque signature, c'est Hurletant, une attaque extrêmement vénère sur les jeux consoles, puisqu'elle a 150 de puissance pour 90 de précision. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent pas les jeux consoles, Ultra Laser, c'est une attaque ultra vénère et c'est exactement les mêmes statistiques. 150 de dégâts pour 90 de précision. Du coup, pif pouf, on pourrait dire, go faire un Hurletant, un Ultra Laser de type dragon. Du coup, sur Pokémon Go, une attaque chargée à 150 dégâts pour 80 énergie. Mais le problème, et il est de taille, c'est que Dialga, il a déjà Dracométéor avec aussi 150 de dégâts, mais plus rapide avec 65 énergie. Du coup, ça serait quand même un peu débile de juste lui faire une attaque signature. C'est la même, sauf que ça fait plus d'énergie. Alors oui, on n'aurait plus la baisse d'attaque de 2 crans du Dracométéor, mais ça reste pas ouf pour une nouvelle attaque. Une baisse de 2 crans qu'on retrouve sur les jeux consoles, Dracométéor. Ça baisse aussi de 2 crans, comme quoi je vous disais que Niantic, au final, il s'éloigne pas trop des versions consoles, mais surtout, sur les jeux consoles, Hurletant, c'est littéralement une attaque qui fait 20 dégâts de plus que Dracométéor. Dracométéor, c'est 130 de dégâts, alors que Hurletant, c'est 150 de dégâts sans cette fameuse baisse d'attaque de 2 crans. Du coup, en toute logique, on pourrait partir sur l'idée que Hurletant dans Pokémon Go, ça serait tout simplement un Aéroblast, une sorte d'Aéroblast de type dragon, avec 170 de dégâts, donc 20 dégâts de plus que Dracométéor, pour, admettons, 75 énergie, à peu près, on n'est pas non plus des sauvages, et surtout sans la baisse de 2 crans en attaque. Alors oui, là je vous montre Aéroblast, du coup ça a un boost, ça a 12,5% de chance d'augmenter l'attaque de 2 crans, mais juste oubliez ça, partons sur l'idée que Hurletant c'est juste une attaque qui tape. Et là on aurait un vrai débat, entre guillemets, le débat parce que le choix il serait en réalité vite fait, entre un Dracométéor qui tape plus vite mais qui fait 20 dégâts de moins, ou alors tout simplement un Hurletant qui fait 20 dégâts de plus et qui en plus n'a pas de baisse en attaque. Dans tous les cas, je pense vraiment qu'on doit garder avec Hurletant cette idée d'une attaque forte mais qui tape lentement. Ça n'aurait aucun sens de faire de Hurletant une attaque rapide à la Dracogriffe. Et d'ailleurs, ça serait une attaque chargée extrêmement vénère, ce serait une des attaques chargées qui tape le plus fort, puisque actuellement Aéroblast c'est la seule attaque en PVP Pokémon Go qui est à 170 de dégâts. Et clairement en PVP ça changerait pas non plus énormément Dialga d'avoir un Hurletant, mais ça le rendrait un peu plus fort. En raid maintenant, si on garde l'idée d'un Aéroblast de type dragon, là la différence elle serait quand même un peu plus visible, puisque on passerait d'un Dracométéor à 62,50 DPE x DPS
à un hurletant à 95,29 DPE fois DPS. Malheureusement, ça ne suffirait pas à en faire un monstre en raid, même si, si on exclut tous les mégas et les Pokémon obscurs, il deviendrait alors la meilleure option dragon pour les raids. Donc pas si mal, même si on reste derrière les mégas Dratak, les Dracolos obscurs, les Karchakrok obscurs, les méga Latios, les Dratak obscurs et les méga Latios. Vous voyez que ça fait quand même une énorme liste, mais bon, ça reste pas si mal, on va dire. En soi, Hurletant, là comme ça, ça en ferait un meilleur Pokémon, mais globalement, on resterait à peu près sur le même Dialga. Disons que c'est un petit buff, là où Lugia, avec Aéroblast, il est passé de Pokémon moyen à bah, juste le meilleur Pokémon en format Master. Et on va continuer avec Spacio Rift, hein, naturellement, l'attaque signature de Palkia. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bah, cette attaque, elle a absolument rien à voir avec Hurletant. Alors que, bon, c'est deux Pokémon légendaires de la 4G, on aurait pu se dire, oui, voilà, c'est des attaques un peu miroirs. Eh bien, pas du tout, puisque bien au contraire, cette attaque sur les jeux consoles, elle est de 100 de dégâts pour 95 de précision et une chance sur 8 d'infliger un coup critique. Sur les jeux consoles, un coup critique, c'est tout simplement, t'as une chance sur 8 d'infliger plus de dégâts que les 100 dégâts de base. Autant vous dire que là, on a déjà plus de chances sur Pokémon Go d'avoir une attaque chargée rapide, ce qui ferait bien plaisir à notre cher Palkia, hein, qui actuellement lui, est lui aussi joué avec Draco Meteor. C'est d'ailleurs très proche, hein, sur les jeux consoles Spacio Rift, de Pincemasse à 5% de précision près ou d'un Flying Press sans cette histoire de coup critique. Or, dans Pokémon Go, ben justement, Pincemasse, c'est plutôt une attaque rapide avec 85 de dégâts pour 50 énergie et 12,5% de chance d'augmenter l'attaque de 2 crans. Et Flying Press, c'est 5 dégâts de plus, mais 10 énergie de moins. Autant vous dire que ça, c'est une attaque plutôt rapide, hein, 40 énergie. Vous l'aurez compris, il y a moyen de faire de Spacio Rift une attaque extrêmement forte dans Pokémon Go. Et perso, je partirai plus sur un Pincemasse de type dragon, histoire que Palkia n'ait pas deux attaques chargées trop rapides, puisque Hydro Q, hein, sa deuxième attaque chargée, c'est déjà extrêmement rapide, c'est 35 énergie. Et effectivement, le boost en attaque semble quand même assez cohérent avec l'attaque de base et son haut taux de coup critique. En gros, avec Spacio Rift, on serait sur une sorte de Dracochoc en un peu plus rapide, ce qui serait quand même un peu plus équilibré que si on lui mettait un Flying Press de type dragon. Après, moi je dis ça pour être sympa, mais je suis complètement chaud de rendre Palkia complètement broken. Alors clairement, ce Spacio Rift, ça serait pas du tout une attaque de raid, mais pour le PVP, bah là tu rends juste Palkia plus rapide, et vu que de base, c'est pas un mauvais Pokémon, hein, c'est actuellement le 24e meilleur Pokémon en format Master, il deviendrait forcément plus fort, même si oui, il aurait toujours autant de mal face à un Lugia. Après, comme je disais, on n'est pas des sauvages, hein, faut pas non plus se calquer à fond sur une attaque qui existe déjà, et au final, ça pourrait être Spacio Rift, hein, une attaque avec 85 de dégâts pour 45 énergie, histoire de faire un moite-moite entre Pincemasse et Flying Press, sans augmentation d'attaque. Mais si on veut rester logique, et Niantic, on l'a vu, essaye de rester logique dans une certaine limite, Spacio Rift, ça serait forcément une attaque chargée plus rapide que Draco Meteor, et donc, en toute logique, ça rendrait Palkia plus fort en PVP. Et enfin, on va terminer avec Force Mystique, une attaque signature unique, oui, mais une attaque signature de 3 Pokémon, puisque c'est l'attaque signature du trio des, comment on appelle ça, des gardiens du lac, à savoir Créelf, Créfollet et Créfadé. Et ces trois-là, bah, ça leur ferait du bien d'avoir une attaque signature, puisque là, actuellement, les trois, ils ont tout simplement Prescience en seule et unique attaque chargée de type Psy. À ce niveau-là, c'est clairement une volonté de nuire, hein, de la part de Niantic pour qu'ils soient pas jouables en PvP, surtout que les trois, ils ont Choc Mental en attaque immédiate, autant vous dire que c'est des Pokémon assez lents actuellement en PvP Pokémon Go. Et en soi, ça se tient, hein, c'est des Pokémon régionaux. Or, Niantic, ils aiment pas trop rendre fort des Pokémon régionaux, et c'est même très sympa de leur part, puisque, bah oui, hein, c'est vrai que, par exemple, admettons, Vortante serait extrêmement fort, bah ça serait extrêmement chiant pour tous les gens qui n'habitent pas dans le sud-est des États-Unis. Au final, il y a qu'un Pokémon régional qui est vraiment un peu fort, c'est Tropius, et encore, avec le temps, il a quand même un peu baissé dans les usages.
Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa de leur part. Ceci dit, maintenant qu'on a les passes de raid à distance, ça reste plus simple de les avoir, hein, ces trois craies. Et moi par exemple, j'ai les trois clés, j'ai les trois craies, alors que j'ai clairement pas tous les Pokémon régionaux. Donc go voir si Force Mystique pourrait éventuellement les rendre plus forts dans Pokémon Go. Et il y a clairement moyen, puisque sur les jeux consoles, on est sur une attaque de 70 de dégâts pour 90 de précision. Plus un boost à 100% d'un cran en attaque. Déjà, ça sent l'attaque chargée plus rapide que Préscience. Mais si on rajoute un boost en attaque, plus le fait qu'ils sont joués avec choc mental, du coup, une attaque immédiate qui fait d'énormes dégâts, et ben ça sent très bon pour les trois créés. Au final, Force Mystique, c'est un peu un entre-deux entre Tranche Nuit et Éboulement sur les jeux consoles. Et si vous faites un peu de PvP Pokémon Go, vous connaissez forcément ces deux attaques chargées qui sont quand même extrêmement présentes. Le problème, c'est que ces deux attaques chargées, dans Pokémon Go, elles se ressemblent à peine. D'un côté, on a Éboulement qui a 75 de dégâts pour 45 énergie. De l'autre côté, on a Tranche Nuit, ce qui est plus rapide avec seulement 35 énergie. Mais 50 de dégâts, 25 de moins que Éboulement et 12,5% de chance d'augmenter l'attaque de 2 crans. Dans tous les cas, ça reste mieux que Préscience avec certes 120 dégâts mais 65 énergie. Et ici, en réalité, pour pas non plus rendre ces trois craies trop forts, je pense qu'on devrait plus se baser sur Éboulement, mais un Éboulement qui aurait 100% de chance d'augmenter l'attaque d'un cran pour coller aux forces mystiques des jeux consoles. Et rien que ça, ça rendrait forcément les trois craies bien plus puissants qu'actuellement, plus rapides, mais aussi plus offensifs grâce au boost en attaque. On serait limite sur un Psycho Boost inversé de Deoxys. Et vous voyez que Psycho Boost, au final, on en parlait tout à l'heure, de Tranche Nuit, oui, voilà, ça serait peut-être un peu trop broken, 35 énergie. Psycho Boost, vous voyez que c'est quand même 35 énergie aussi, donc on pourrait éventuellement même partir sur l'idée d'un Force Mystique à 35 énergie, et pourquoi pas même 70 dégâts pour vraiment aller jusqu'au bout de la blague et d'en faire un Psycho Boost inversé. Alors bien sûr, ils auront toujours le problème d'avoir une deuxième attaque chargée trop lente, puisque voilà, Créelf, lui, il est joué avec Fatal Foudre, Créfollet, lui, il est joué avec Bizarre, et Créfadé, il est joué avec Déflagration. Mais quand on voit le ranking actuel, qui n'est vraiment pas fou, le meilleur ranking, alors pour Créelf, c'est 248e meilleur Pokémon avec des bombes Borel en format hyper, Créfollet, lui, c'est 378e meilleur Pokémon en format Master avec des bombes Borel, bien entendu. Et Créfadé, du coup, c'est 464e meilleur Pokémon en format Master avec des bombes Borel. C'est clairement pas fou. D'avoir Force Mystique, ça leur ferait clairement du bien d'avoir au moins cette attaque chargée rapide, même si, oui, il serait pas non plus totalement top tier. Et donc, voilà un peu pour ces trois attaques signature. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, que ce soit pour les légendaires comme Prière Lunaire pour Cresselia, pour les Pokémon fabuleux comme le fameux Trou Noir de Darkrai, ou même pour les Pokémon normaux, à savoir pas légendaires ou fabuleux, comme le fameux Electak de la famille Pikachu, ou même Hyperseuse de la famille de Insolourdo maintenant. Et si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on a clairement de quoi faire d'autres vidéos sur le sujet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre le fameux pouce, vous abonner, activer la cloche, pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Et sur ce, moi je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis !